beaucoup. Et puis, il y a une autre élection dans l'actualité, les présidentielles en Algérie, la présidentielle. Abdelaziz Bouteflika est très malade, il n'apparaît plus en public, il ne parle plus et pourtant il se présente. Mais qui est vraiment Abdelaziz Bouteflika? Frédéric Tadei nous le présente. Oui, bonjour à tous. Ce soir, dans Ce soir ou jamais, je reçois Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, bonjour. Abdelaziz Bouteflika, vous êtes né le 2 mars 1937 à Oujda, au Maroc. Vous êtes décédé le 11 juin 2012 à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Hier donc, Abdelaziz Bouteflika, vous avez écrit une lettre au peuple algérien pour justifier votre candidature à un quatrième mandat. Vous l'avez fait par lettre, puisque je le rappelle, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus vivre. Alors bien sûr, dans cet état-là, certains de vos détracteurs disent que le pouvoir n'est plus envisageable, mais vous leur répondez, Abdelaziz Bouteflika, vous leur répondez fort justement que vous battez toujours Jean-Marc Ayrault au 100 mètres.